Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce lundi rétro. Excusez-moi, je bug un peu à cause du fond et mon gel a totalement disparu, c'est pas grave. Ça va bien, on va faire un lundi rétro aujourd'hui sur un jeu de voiture, n'est-ce pas? Crash Team Racing. Développé par Naughty Dog, le dernier jeu de Crash Bandicoot développé par Naughty Dog. Sorti en 1999, donc en septembre, si je ne me trompe pas. Donc, juste avant l'an 2000, n'est-ce pas? C'est un jeu de bagnole qui était en fait le spin-off Crash Bandicoot pour lequel avait signé Naughty Dog. C'était un très bon Mario Kart-like. Alors, en attendant de faire l'origine, c'est-à-dire Super Mario Kart. Et bien, nous allons commencer par faire Crash Team Racing. Alors, attendez, j'essaie de corriger un peu cette caméra dissidente. Pendant qu'on a du scénario. Oui, parce qu'il y a un scénario incroyable. À l'arène de l'aventure, l'endroit idéal pour perfectionner ta conduite. Exactement. Les points et les étoiles sur la carte indiquent les points de passage vers les circuits de course. Ils clignotent lorsqu'ils sont actifs. D'accord. Pour accéder à un circuit, place-toi sur le point de passage dont le cœur est actif. Et tu seras transporté sur la ligne de départ. Ok. Si tu remportes la course, tu gagnes un trophée. Plus ta collection de trophées sera riche, plus de circuits deviendront disponibles. Ouais. Bonne chance. Merci. Merci. Salut Whitelbar, j'espère que tu vas bien. Alors attendez, juste, je vais essayer de régler un peu ma caméra. Pour qu'elle déconne moins. Parce que là, apparemment, elle a décidé de me pisser allègrement dessus. Bon, tant pis. C'est parti. À quoi coup, c'est la voix du code. Je me souviens pas de la voix du code, c'est trop longtemps pour moi en fait. Course, trophée, cri, crash. De bien entendu, on est dans l'univers Crash Bandicoot. Donc forcément, tous les personnages sont là. Des plus anecdotiques au moins anecdotiques. Merde, j'ai raté la caisse de bonus. Ah, c'est bon, je peux déraper. Je me rappelle de la touche pour déraper. Alors, je ne sais pas si on veut faire du snaking. Je ne suis jamais intéressé à mort sur ce jeu pour savoir si on veut faire du snaking ou des conneries d'un genre. Tiens, une petite bombinette. Et là j'ai le masque d'un coup à coup pour me protéger. Et j'ai fait de la merde. Je me suis noyé. Et justement un coup à coup va me remettre sur la piste. Donc c'est en 3 tours pour la plupart des courses bien entendu. Alors faire... Ah voilà, j'ai pas du... Pour être honnête, c'est pas du tout le même système de dérapage que... Super. C'est pas du tout le même système de dérapage que dans Mario Kart. Alors vous voyez faire des dérapages, je crois que je vais arrêter. C'est la pire idée du monde. Mais salopard, Engine, comment as-tu osé me piquer ma case? Enfin la détruire même, je dirais plutôt. Go fire up. Si je pouvais, je le ferais, mais... Alors il y a une petite truc en bas, je suppose que... Non, non, non. Et merde. Salut le Draco, est-ce que tu es bien? Dernier tour. Final laps. Je suis deuxième et Pura est loin devant. Pas si loin que ça, mais grâce à un coup à coup. PAF! Un plus! Petite caisse de TNT sur l'accélo. Et on va finir premier! Alors qu'est-ce que ça? Dernier avertissement, tes trolls ne sont pas drôles, stop.
Si tu veux, je peux faire comme si j'avais lu tes messages. Mais ça va se finir par un ban. Car tes trolls sont déplacés et pas drôles. Bien sûr, la petite date de la victoire, hein. Absolument pas tendancieuse. Le mec fait clairement comme s'il allait vous baiser, hein. Les fruits Wumpa augmentent ta vitesse. Ouais. Si tu en rassembles 10, et si tu parviens à les garder, ta puissance sera sensiblement accrue. Oui. Sensiblement accrue. Salut Daft, j'espère que tu es bien. Alors je sais pas si en lâchant je peux avoir un petit boost ou pas. Je ne sais pas. Est-ce que je peux avoir une espèce de boost si je... Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Salut Nati, j'espère que tu es bien. Ah, très bien. Gros départ à sec. Donc là, on est dans les Tuburu. C'est-à-dire dans l'univers de Ripperoo. Sachant que le premier boss, c'est lui. Et là, on va foncer dans Dingodil. Sbra. Ouais, c'est assez. J'ai l'impression que je gagne de la vitesse, mais que je peux pas relâcher pour faire un boost en fait. Attends, ils sont les fruits Wumpa là. Tiens, cadeau. T'apprendras à me suivre. Là. Et le 8. Missile. Tiens, d'un goodie, je n'aurais mis plus la gueule. Ça fait mal. Grosse maîtrise des dérapages, Kappa. Il va m'écraser. A plus, Cortex. Et Dingodi, il aime bien prendre cher, hein. Il me repasse devant. Ok, par contre je vise très mal. Qu'on se le cache pas. Mion, 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 mion. Je vais d'avoir une carapace bleue en 3, hein, tout va bien. Ah, par contre le dérapage j'arrive vraiment pas à le maîtriser. Donc on va arrêter de déraper. Et on va conduire normalement. Franchement, hey, la Pinou, je te trouve médisant parce que le jeu a quand même plutôt bien vieilli, je trouve. Pour un jeu de PlayStation 1, si je t'abandonne des jeux de PlayStation 1, tu vas voir qu'ils ont mal vieilli. Salut Ner, c'est Salut The Light Dragon, j'espère que vous allez bien. Félicitations, ce trophée est à toi. Lorsque tu reçois un baril de TNT sur la tête, mets-toi immédiatement à sauter. Si tu réagis vite et persistes assez longtemps, le baril tombera par terre avant d'exploser. T'as une touche quand tu dérapes pour avoir du boost. Dac, dac. Au. C'est quoi la touche pour reculer déjà? Ceci est un écran de chargement et de sauvegarde. Il en existe 5.
1 dans chaque monde du jeu. Lorsque tu souhaites charger ou sauvegarder une partie, approche-toi de l'écran, arrête ton kart et suis les instructions données. Tu dérapes pas bien, c'est tout. Non, mais je veux dire... Ah, déjà, pour ma défense, c'est pas comme dans... Pour ouvrir cette porte, oui, il oui. te faut deux... Pour ma défense, c'est déjà, c'est pas du tout comme dans Mario. Et moi, je joue quasiment que à Mario, hein. Quand la fumée noire apparaît. Pour accéder au garage d'accord. du boss, tu dois gagner l'ensemble. On va essayer. La grotte mystère. D'ailleurs, pour allez, tiens, une petite carapace blanc 2, tout va bien. Pour la petite anecdote, moi j'ai beaucoup aussi aimé le Crash Tag Team Racing, qui était un peu comme Mario Kart double dash. Ça fait mal. Four. Merde, d'accord, je l'ai mis dans le mur. Oh, la caisse n'est pas finie de se former. Merde. Ah. Et voilà, Tiny. Fail absolu. Merde! Va voir, je me ressaisisse. Petit boost. Petit champignon. C'est vrai qu'il se met sur la gueule devant. Quoi? Il l'a esquivé. Bien joué. D'accord. D'accord. Tout va bien. Trois missiles. Et bim. Le top deck. Ah oui, je vois lequel tu parles, Apinou. Mais c'est pas celui-là, Crash Tag Team Racing. Deux vues. Pas halluciné. Map, 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 map. Miaou. Et c'est bientôt pas du tout la première place. Hashtag j'y crois mort. Et j'ai vu que j'avais fini, mais pas du tout. Non, me double pas la dernière seconde, s'il te plaît. Bonne nuit, Proto. Félicitations, ce trophée est à toi. Le trophée est à moi. Salut l'OM, je te souviens. Tu peux obtenir une turbo-suspension à partir de tes sauts. Ouais. Plus tu resteras en l'air, plus important sera le turbo à l'atterrissage. D'accord. Pour maximiser les turbos, prolonge ta suspension lors du saut à l'aide de la touche R1. Ok.
Hop, on va faire demi-tour. Puis il faut que j'aille là-bas. Oui. Direction le circuit Ego. Bien sûr, je commence toujours 8, hein. Oh. Ah, attendez, je commence à me rendre compte de la me rappeler de la profondeur du gameplay. Waouh, je peux faire des boosts. Oui. Oui. Paf. Oula 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 oula. Ouf. J'ai vu le moment où ça allait pas bien se passer pour moi. Ok, nice. Ah, ah, t'es mignon, Anti, mais appuie sur la touche. Laquelle? Tu dis ça comme si ça faisait des années que je jouais qu'à ce jeu. Alors là, j'ai appuyé sur la touche de boost et ça avait pas l'air d'être ça, hein. J'ai le jeu de course au direct des dinosaures. What? Non, ça ne me dit rien. Ah oui, dans ces cas-là, appuie sur la touche. Oui, alors j'appuie sur une touche pour accélérer. C'est dingue, je sais. Ouais, j'en chopais le truc là. De ce niveau. Je joue le jeu. Ah! C'est petit copain steak, j'espère que tu viens. Bien joué, Mongol. Bon, je crois que j'ai de l'avance donc ça va. Mais j'ai fait de la merde. Oui. Easy. Un an, Iruma. Je sais pas pourquoi tu voudrais que je parle. Je sais pas pourquoi tu voudrais que je perde mon accent. Hein. Je veux dire, il y a un moment, faut être fier de ce qu'on a. Hein. Moi, je suis fier de vivre à Toulouse. Hein. C'est cool comme ville. Donc, on va affronter le premier boss, qui n'est autre que Reaper Roux. On a vu le placement de produit pour Apple. Les tubes, loup. Mip, mip. Ah, très bien, fail. En même temps, la particularité de ce boss, c'est qu'il a tendance à foutre des TNT partout, comme dans les versions de base du jeu. Eh merde. Mais moi depuis tout à l'heure il va la tenter comme un sale chien. Mais c'est un chien.
première carapace rouge. Oh la chance. Et merde, j'ai pas eu le truc pour accélérer. Et voilà! Et donc j'ai gagné ma première clé. Oui. Je suis maintenant aussi passe-partout. Dingue, n'est-ce pas? Félicitations. Merci. Tu as réussi à accéder à une nouvelle zone. Merci. Tu trouveras encore plus de circuits. Bonne chance. Merci. Ah, j'ai trouvé la touche! C'est bon. J'ai trouvé la touche pour claquer le boost. Ah non, là c'est le podium. Ah non, mais ça c'est vrai que c'est l'entre-deux zones. Mon mauvais. C'est le hub. Oups. C'est là que j'arrive. Attendez. Si, c'est de là que j'arrive. Prochaine zone. Oui, parc coco. Oula, je crois que la musique bug un peu. Eh ben, retourne à le niveau, Kono. Merci. Je crois qu'il y a des notes. Je crois qu'il y a une partie du menu qui fait. Tout va bien. Let's go. Ah, du coup, je vais prendre des cuts débiles. Tiny pas content. Hey! Alors je sais pas si c'est si ça dure éternellement ça. Merde. Ah non, c'est vrai que c'est un truc qui se lance aussi. J'avais oublié.
juste à la sortie du boost. Ça devrait bien se passer. Touché, Coco. Par contre, il y a un timing à avoir. Je vous ai vu, mais en bas à droite, il y a une petite barre. Et genre, si je fais trop le con. En fait, il faut que je fasse 3 fois pour avoir un super boost. 1, 2. Bon, il n'y a pas eu 3. Oui! À moi la victoire! Écrasante! Yeah! Victoire écrasante et sans aucune concurrence. Toucher Coco dans le parc Coco, ça colle. Félicitations, ce trophée est à toi. Tout va bien, Dom. Ne t'inquiète pas, on sait que tu as des pulsions lesbiennes, mais... La super glissade. La super glissade. R1 et maintiens-la enfoncée lorsque tu tournes. Voilà, donc il m'apprend à déraper maintenant. Hein. Ah, non, c'était pas par là. Tu feras du Spyro un jour. J'en ai fait la semaine dernière. Et la rediffusion est sortie aujourd'hui d'ailleurs. Je suis allé remarquer que Coco a laissé un pyramide. C'est pas qu'elle a laissé un pyramide, c'est qu'on est sur PlayStation 1. T'as vu les boobs de Lara Croft ou pas? Je serais choqué. Ah merde! J'avais pas fait attention. Parfait. Merde, passé de... Knocker. Oh lol. Je me rappelais plus. Je vais me dire, ça fait tellement longtemps, j'avoue, que je me rappelle plus des passages secrets de ce jeu, mais j'ai trouvé un complètement au pif. Je commence à mettre de l'avance. C'est là, on est d'accord. Non, c'est pas là. Trompé. Ah merci Dom, j'ai cru que tu avais perdu ton cerveau pendant quelques secondes. Félicitations, ce trophée est à toi.
Yeah. Pour obtenir un extra turbo lors d'une super glissade, attends que tes gaz d'échappement deviennent noirs et appuie sur la touche L1. Si oui. Tu ne réagis pas dans le temps imparti, une pétarade t'indiquera que l'extra turbo n'est plus disponible. Une pétarade. Salut Gef, je suis bien. Si c'était là, mais ça a bugué. Ah très bien. Maintenant je me fais pisser dessus quoi. C'est numérique, j'espère que tu vas bien. Nice. Comment direct avec un petit boost. Oups. Quand j'ai mal négocié. Là j'aurais pu déraper. Pas ça. Là j'aurais pas dû. Ah! Le truc est à moi! C'est Neko, je suis bien. Ok, prendre un boost là-dedans, c'était pas une bonne idée. Et merde. Et merde. Putain, je suis 4, faut que je me dépêche. Eh merde, j'ai foncé dans le truc. Faut mieux prendre ces putains de virages. Le premier il est loin ou pas? Ah ouais putain il est vachement loin à foire hein. On va voir cet objet pété. Ouais et raté le virage juste après. Tu sais que ça va complètement sceller cette course. Ah ouais d'accord, je vais vraiment de la merde. Niveau des virages. C'est Mr. Volcan, ça va et toi? J'aurais quand même mal négocié cette course. On réessaye. Ok. Faut si on négocie mieux. C'est ces virages là surtout qui m'ont tué. Merde, voilà. Mais je recommence. Ok. Je vais me faire bouffer par la plante. Ouais.
fait mal. Vraiment, ça fait mal. Le focus est réel. Ça fait mal. Ça fait mal. J'y crois à mort. Ouais. Oh là là, non, 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 j'ai tout froid. Tour final. Et l'autre un peu d'avance. Et je rentre dans des murs encore. Putain, il a vachement d'avance ce bâtard depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, contrairement à nous, il se met pas sur la gueule aussi. Il s'est rattrapable. Oh, un peu de chance quand même. Non, quel mongol, j'ai tout froid. J'ai tout gâché. Oh putain. Oh merde. Le petit boost il est bizarre en fait. Ici c'est horrible à passer. Si tu vas trop vite tu te fais baiser ici. 100%. Bon, pour l'avantage c'est que le premier n'est pas si loin du peloton. Oh, l'autre il back spam ce bâtard. Pour la peine tiens. Mec, il a backspam sa rouge. Sauf que dans ce jeu, la rouge, quand elle est backspam, elle suit. Nice. Allez. On fera rien et c'est gagné. Ok, Cortex qui tente des strats inconnus et qui se prend des nuages. Allez, là je négocie bien. Pas comme ça quoi. Oh merde. Nice. L'item pété qui sort au bon moment. Le trophée est à moi. Salaud. Putain, ce passage là il est trop chiant en fait. Oh oui. Oh oui, ce carapace vert de la mort.
Mais quelle carapace verte! Ok, j'ai complètement piffé. Ce trophée est à toi. Je l'annonce. Pour prendre un virage serré ou pour changer rapidement de direction, utilise le glissage frein. Appuie sur la touche carré et maintiens-la enfoncée lorsque tu tournes. Le Canyon Dingo. Non mais c'était un vol digne des plus belles parties de Mario Kart 8. Qu'on se le dise, là il y avait du Mario Kart 8 dans ce move. C'est quoi qui m'a envoyé ce bâtard? Il m'a envoyé un truc? Ça doit être son item à lui. Eh ouais, à quoi à coup il fait le taf? Ah d'accord, en fait c'est non, c'est les monstres de l'environnement. J'imagine un monstre de l'environnement. Ah par contre, évite de me péter dessus s'il te plaît, Cortex. Bon, il a pété sur Dingo Deal, ce qui me va. Et Dingo Deal c'est pris ma greu. Prends la caisse de pommes. La petite nitro ici. Ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Tu m'étonnes. Ah ouais, ma soeur m'insulte de traînard quand même. Le respect est mort. Heureusement, il n'y a pas d'aspiration dans ce jeu. Heureusement, Cortex a décidé de se suicider. Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde. Mais détruis les caisses d'objets, cet enfoiré. Oh oui. Boum. Allez vas-y, dépassez-moi maintenant. Essayez de me voler ma victoire. Merde, je peux les emmener en arrière. Bon, yolo. Tu vois pas les reliques, le jeton CTR. Mais je peux pas en course normale. Il faudrait que je refasse. Faut... En fait. Papou ras-le-bol de regarder course de limace molle. Pour avoir accès aux jetons et aux reliques, c'est comme dans les crashs classiques, il te faut d'abord finir tout le monde et ensuite tu redébloques les niveaux et tu peux les refaire. Vous bouchez un gros coin. Ah bien sûr, sur le pire niveau. Ah bah bien sûr, papou papou, il va invoquer la pluie. En fait, faut que j'arrive à faire suffisamment d'écart avant ce virage pour que je le perde ici. Et voilà. Et voilà. A plus. Oulala. Tu sens la conviction dans le doubleur. Tu sens que le doubleur il a kiffé. Oh putain. Squalala. En attention parce que ce con il a mis des trucs verts partout. Voilà.
Alors lui bien sûr il lui fait, comme je disais ici le problème c'est là. Et voilà. Et voilà. Allez, à plus sous le bus. Ouais parce que je t'écrase sous mon bus. Et ouais bro, tu ne passeras pas. Vas-y dépasse-moi. Tu disais quoi bro? Parce que moi je crois que tu t'es pris un missile dans la tronche. Vouloir gagner. Vouloir gagner. Pas pour une grosse discussion. Et là, c'est la victoire sur Pabou Pabou. Ah mais je gagne avec ça, merci d'être passé. Dom, tu pètes un câble, je crois. Sinon Dom, j'ai bel et bien lu ton message très pervers à propos du freinage. Pas bien du tout. Papou pas assez mangé girafe. Ouais. T'es petit, mais t'es rapide. Prendre clé. Mais aussi problème bien plus gros. Pas si grand, mais beaucoup plus méchant. Ouais, méchant. Bien, et moi sur ce, je vais vous laisser là pour cette première heure de live, je vous mets 3 petites minutes de pub et je reviens, je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite.